l'écueil qu'il a mise. Attendez, je regarde s'il n'y a pas des traces de pneus. Je vais voir si je peux danser tout. Je regarde si je ne me tourne pas les pieds. Salut, salut! Bon, alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai changé d'arrière-plan parce que là, je vais faire des essayages. Voilà, donc on se retrouve comme ça dans ma tenue d'Adam et Ève. Non, c'est Ève la femme. Ouais, dans la tenue d'Ève. Et je vais faire mes petits essayages. Donc, j'ai reçu un colis de chez Shein. Donc, j'ai choisi des articles. Je ne me souviens plus trop exactement ce que j'ai choisi parce que ça fait un petit moment. En sachant que jusqu'au 11 août, vous avez les soldes. Vous avez jusqu'à 95% de réduction. Et en plus, moi, j'ai un petit code promo que je vous mets ici. Je me tiens la jupe, oui, parce que... j'ai peur que ça s'écarte en fait parce que je suis vraiment toute nue. En dessous, je suis toute nue. Donc, je vous disais que j'ai un code promo que je vous mets ici qui vous donne en plus 15% supplémentaire sur les soldes. 15%, vous rendez compte? 15% supplémentaire. C'est-à-dire que si vous avez 60%, ben vous rajoutez 15% en plus sur vos soldes. Voilà, donc on va commencer. Je vais essayer de me baisser sans qu'on voie trop ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc, premier colis. Je surveille. Je me souviens plus du tout ce que j'ai pris. Je sais que j'ai pris des choses quand même, mince, des choses quand même assez colorées, mais je me souviens plus du tout ce que j'ai pris. Ah oui, je me souviens. Oula, L. Ouais, peut-être. Taille L. Donc elle est comme ceci. Bon, elle était très froissée. Hein. Je vais l'essayer avec la petite ceinture qui est tombée par terre. Je l'essaye et je vous dis ça de suite. Bon, ben voilà. Ouais, je la trouve pas mal. Par contre, elle est un tout petit peu trop grande. J'avais oublié que j'avais perdu 8 kilos. Donc, enfin, je sais pas, je crois pas que je mets du M hein, encore. Mais ouais, je la trouve quand même assez jolie. Elle est ouverte sur les deux côtés. Pas trop, pour pas trop, parce que moi, j'aime pas quand on voit mes jambes. Je déteste mes jambes. Mais honnêtement, ouais, je la trouve très très jolie. Elle est jusqu'au niveau des... Est-ce que vous allez voir si je me mets... Ah, mais c'est nickel, ça! Vous allez pouvoir voir. Voilà, elle se met... au niveau des chevilles, donc ouais, je la trouve quand même pas mal. Ouais, premier essai, franchement, je trouve qu'elle est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Oui, ça je me souviens, mais alors par contre, il va falloir que je trouve quelque chose pour mettre en dessous. Ouais, j'ai commandé ce t-shirt qui est tout transparent. Voilà, il est vraiment tout transparent. Je réfléchis, qu'est-ce que je vais mettre pour vous l'essayer. Bon, attendez, je vais mettre les choses en dessous pour vous l'essayer, mais il a l'air plutôt pas mal. Je reviens. Bon, voilà. Bon, ça donne pas... Finalement, ça donne pas grand-chose. Je comprends. Attendez. Je sais pas. Je le pensais plus transparent, en sachant que là, je l'ai mis avec un leggings. Vous allez voir au miroir. Je l'ai vraiment mis avec un leggings. Voilà. En sachant que vous pouvez ajouter une petite ceinture si vous voulez. Et je pense que ça sera super joli avec un cycliste. Vous savez, cycliste noir et petite brassière noire. Moi, je l'ai mis avec un débardeur et un cycliste. Enfin, un leggings. Voilà. Après, je suis sûre qu'avec un cycliste, ouais. Franchement, avec un cycliste et un top comme ça, brassière. Ah, je suis essoufflée. Je pense que ça sera super joli. Ouais. Et en tout cas, la matière, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je pensais que c'était plus transparent, mais faut que j'aille me déshabiller devant vous, ça va pas quoi. Mais en tout cas, c'est pas mal. Ensuite, dans le même genre, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai pris, pareil, un t-shirt. Je voulais changer de style, au moins n'importe quoi le t-shirt. J'ai pris un t-shirt. Alors par contre, celui-ci, j'ai pas la taille. Je sais pas quelle taille j'ai pris. Si, il y a la taille. J'ai pris un taille... Un taille 0, il n'y a pas de taille. J'ai pris celui-ci, je sais que j'ai pris une grande taille, j'ai pris XL parce que je voulais vraiment qu'il soit long et large. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est vous savez les t-shirts avec la ceinture, je vais vous montrer ça de suite. Ben, du coup ça tombe bien que je les guette en dessous parce que ben, je vais pouvoir laisser. Yeah, t-shirt, bon c'est un t-shirt basique, sauf que je le trouvais super joli. Ben, vous savez ça se fait maintenant ça beaucoup avec la ceinture comme ça et on le serre à fond. Si je ne me trompe pas, les fashion mode, dites-moi si j'ai raison ou pas. Mais attendez.
Oh, je suis contente quand je serre la ceinture. Hop, c'est censé pendouiller comme ça. Et je crois bien qu'elle mette comme ça, si je me trompe pas. Voilà, donc ouais, je trouve quand même assez joli. Bon, même avec le leggings, là, je trouve pas ça très beau. Je vais vous montrer là. Ouais, avec le leggings, je trouve pas ça très très beau. Voilà, vous voyez, moi je pense que pareil, avec un cycliste. Cycliste court jusqu'à là et une paire de baskets, franchement, la Tisha 38 ans, elle va en paraître 20, s'il vous plaît. Ouais, franchement, j'aime bien, je le trouve super joli. Ouais, 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 là, je suis contente. Pour l'instant, je suis très contente de mes achats. Je vous le dis, j'ai encore mes habits devant vous, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il vous plaît. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est une jupe. Alors ça, c'est une jupe. Moi, j'adore les jupes. Elle est un petit peu, je sais pas si vous allez voir, un petit peu satinée. Mais moi, j'adore les jupes. Moi, j'adore les jupes. Donc là, je vais l'essayer tout de suite. Est-ce que je m'enlève le leggings ou pas? Moi, je vais m'enlever le leggings, je reviens. Bon, elle est comme ceci. Bon, j'ai mis un haut en dentelle. Désolée, j'ai mis un soutif, hein, on verra rien. Je sais pas, attendez, je me regarde. Je suis mitigée, peut-être quand elle sera repassée. Peut-être quand elle sera repassée, parce que regardez, elle m'arrive jusqu'à... Je sais pas, je suis mitigée, parce qu'elle est quand même assez verte. Ouais, elle est quand même assez verte, je sais pas si vous allez le voir. Après, elle est super jolie quand même, le tissu et tout. Quand elle sera peut-être repassée, ça sera encore plus joli. Ouais, à voir avec... j'ai commandé des chaussures, donc je pense que je vais regarder... Bah, je vais vous montrer tout de suite les chaussures, comme ça je vais voir ce que ça donne avec. J'ai commandé deux paires de chaussures. D'abord, j'ai commandé celle-ci. Je les ai trouvées super mignonnes et super pratiques à mettre. Parce que je me suis dit... Je mets le bazar partout. Je me suis dit que ça allait être quand même hyper pratique de mettre des chaussures comme ça. Vous savez, on sort des fois... Ah, les papiers dans les pieds. On n'a pas envie trop de mettre les sandales ou les lacets. Comme... Parce que j'en ai pris deux paires. Vous allez voir la deuxième paire. Pourquoi je vous dis ça? Et du coup, j'ai pris des sabots comme ceci. Elles sont hyper légères. Donc, est-ce que ça va faire quoi, là? Oh, attendez. Est-ce que vous allez me voir dans la vitre? Est-ce que vous allez voir ou pas? Ouais, je pense que vous allez voir. Ah ouais, elles sont... Ah ouais, elles sont canons, les chaussures. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère, je verrai ça dans le retour. Mais franchement, elles sont canons. Ouais. Ah ouais, mais franchement, avec cette jupe, ouais. Je vais vous montrer, attendez, je vais enlever l'autre jambe. Ouais, franchement, ouais, avec cette jupe, elles sont belles. Ouais. Oh, mais en plus, on est hyper à l'aise. Je vais voir si je peux danser et tout. Je sais pas si je me tords pas les pieds. Non, franchement, nickel. Ah, je suis trop contente de mes chaussures. Là, on voit plus ma tête du coup. Et j'en ai commandé une deuxième paire. Elles sont canons aussi. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer tout de suite. Elles sont canons, je les aime trop. Bon, je ne vais pas mettre les deux parce que franchement, ça va être une galère. Elles sont comme ceci. Là, elles ont le truc sur le dessus transparent et elles sont toutes en lacets. Donc, je vais les mettre et je vais vous montrer ce que ça donne. Mais celles-ci, je les ai déjà essayées et je sais qu'elles sont canonissimes. Alors, attendez, j'espère que je ne transpire pas parce que si je transpire, ça ne va pas le faire. Si je transpire, hop. Ouais. Ouais, ouais. Par contre, elles sont un petit peu dures à mettre au début. Je pense que c'est le plastique, le temps que mon pied s'y fasse. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Ouais, elles sont un petit peu serrées, les petites filaines. Attendez, je vais nous les lacer. Je vous retrouve après parce que sinon, je m'en sortirai. Bon, du coup, celle-ci, vous n'allez pas voir. Donc, je vous montre dans la vitre. Mais c'est une bonne idée ce que j'ai fait là, ma caméra. Oh là là, elles sont trop, trop belles. Je vais vous montrer. Elles sont trop belles. Franchement, on est hyper à l'aise dedans. Oh là là là. Oh mon Dieu, cette jambe de déesse. Oh, qu'est-ce que j'aime. Oh, ma soeur, elle va être jalouse. Jennifer, tu vas être jalouse de mes chaussures. Parce que tu te rappelles, quand on était jeune, on mettait les mêmes chaussures. À part que c'était pas des... Est-ce qu'elles sont à l'aise? Est-ce qu'on peut se tordre le pied? Moi, bon, j'en ai mis qu'une, donc du coup... Oh, j'aime trop. Ouais, j'aime trop. Ah, je suis trop contente. Et en plus, ça tient parce que je sais pas si vous savez, j'en avais acheté des chaussures. J'adore les chaussures qui montent comme ça. Il y en a peut-être qui vont me dire ça fait un peu pétasse, mais franchement, j'adore. J'adore. Je trouve pas que ça fait pétasse parce que c'est pas un talon aiguille en fait. C'est un talon.
C'est un talon en paille comme ça, donc je trouve ça super beau. Et j'en ai acheté des chaussures qui montaient comme ça sur le haut de ma jambe et en fait ça glissait. Tandis qu'en cuir comme ça, les cordons en cuir, bah, du coup ça descend pas du tout. Elles sont trop belles. Je vais faire ma belle, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'il me reste? Ensuite, j'ai commandé quoi? Ah oui, ça je me souviens, c'est un ensemble. Alors là, franchement, j'ai fait fort. Un ensemble de pièces avec un petit top. Franchement, j'espère qu'il va être super beau parce que là, c'est quoi ça? Papier. Donc j'ai pris la jupe. Elle est canon. Elle est canon. La jupe, par contre, j'espère qu'elle n'est pas ouverte jusqu'en haut des cuisses. Et le petit top. Waouh! Je vais essayer ça tout de suite. Et en plus, je vais essayer mes chaussures. Bon, ça, ils sont faciles à mettre, évidemment. Bon, alors, quand je mets les talons, on ne voit plus ma figure. Bon, alors, à ça, je vais regarder ce que ça donne sur le retour. Enfin, sur le... Oh, je sais pas. Faut que je monte. J'ai pas dû te renvoyer mon ventre, très franchement. Je sais pas si vous allez voir. Ah, mais il est canon, cet ensemble. Oh, ah, mais il est canon. Ouais, franchement, il est canon. Il est ouvert ici un petit peu, pas trop. Avec les chaussures. Oh, ah ouais, franchement, il est canon. Même la couleur, je suis pas habituée à porter des couleurs comme ça. Mais, ah... Ah ouais, encore plus beau comme ça. Ah mais j'aime trop. Bon par contre j'ai pas du tout l'habitude de montrer mon ventre. Je vais vraiment le mettre jusqu'à... Mais j'aime trop. Ah mais je suis trop contente. Ah putain, attendez parce que... Oh bah ma figure ça me... Ah, ça me stresse. Mais j'aime trop. J'aime trop, je suis trop contente de mes achats. C'est la première fois que j'achète de la couleur et que j'aime. Enfin je dis de la couleur mais en fait non, il n'y a pas de couleur. Si, il y avait la robe lila. Et ça, j'aime trop, c'est super beau, franchement super beau, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? La couleur encore. Ah non, ça c'est à Tisselle. Tisselle s'est pris une petite jupe, par contre elle n'est pas là pour l'essayer, du coup vous la verrez sur ses vidéos, sur ses TikTok, etc. Elle est canon. Bon, par contre, c'est pas ma taille, hein. Donc je peux pas vous l'essayer. C'est quelle taille? C'est un S, je crois. S ou XS, elle est canon. Ah oh, ouais, elle est vraiment canon. Regardez avec ces effets fripés là. Elle est trop belle. Même là, regardez. Elle est canon. Elle va trop bien lui aller. Franchement, ouais, elle va trop bien lui aller. Elle va être contente quand elle va venir. Alors, attendez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors ça, j'ai hâte de l'essayer. C'est une combinaison. Parce que je sais que vous avez adoré ma combinaison la dernière fois. Combinaison que j'avais sur mes TikTok et sur mes Snap. Vous avez adoré. Ben, du coup, je me suis dit, je vais prendre d'autres combinaisons. J'ai pas du tout l'habitude de prendre des combinaisons parce que ben, j'ai des grosses fesses. Malgré que j'ai perdu 8 kilos, j'ai toujours des grosses fesses. Et je la trouvais magnifique. Regardez, je vais l'essayer. Oh, elle a l'air trop belle. Après, il faut le voir porter. Mais elle a l'air canon. Ouais, attendez, je vais l'essayer. Je transpire. J'ai trop chaud. Oh, j'espère qu'après cet essayage, je vais perdre au moins 500 grammes quand même, hein. Un petit peu quand même, non? Pas exagéré, hein? Et heureusement que j'ai mis un soutien-gorge, parce qu'au début, j'avais pas mis de soutien-gorge. Finalement, heureusement que j'ai mis un petit soutien-gorge, un petit peu quand même, non? Ouais, par contre, il va falloir que je mette un haut en dessous. Ou alors, faut pas que je mette de soutien-gorge du tout, je sais pas. Bon, je pense qu'avec les talons, ça sera mieux. Déjà, pour vous montrer dans le miroir. Bon, alors déjà, elle est comme ceci. Elle est canon. Elle est vraiment canon. Bon, par contre, soutien-gorge, ça va pas du tout. Le soutien-gorge, il va falloir que pas mettre de soutien-gorge ou mettre, je sais pas. Mais elle est canon, j'aime trop. Oh, allez, je me regarde le miroir. Oh là 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 là, j'aime trop. Ah oui, elle est trop belle. Waouh! Et franchement, j'avais. Attendez, j'enlève le talon. J'avais vraiment, vraiment, vraiment peur des motifs léopard. Par contre, elle est très, très longue. Elle traîne par terre. Elle traîne par terre, donc à porter avec des talons. J'avais vraiment peur des motifs. Regardez l'effet là devant. J'avais vraiment peur des motifs. Mais elle est canon. J'aime trop. Et elle est hyper à l'aise. Ah, mais je suis trop. Vous regardez pas mon cul, je vous vois derrière. Oh, là. Par contre, ça fait pas un beau cul. Hein, j'ai pas la raie derrière. Parce que quand on a des trucs comme ça,
Je sais pas, moi j'ai jamais l'arrêt derrière. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'arrêt. Peut-être que j'ai le cul trop gros. Ça fait un peu, vous savez, comme Mila. Mila, vu qu'elle a les fesses refaites, elle a pas l'arrêt non plus quand elle met des leggings et tout. Et moi c'est pareil, j'aime pas. Je déteste. Mais franchement, elle est canon. Oh, je suis trop contente. Mais, attendez, j'allais encore me déshabiller devant vous. Par contre, ouais, je suis un petit peu à poil là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu deux maillots de bain, évidemment. Je voulais mettre, je vais pas vous les montrer, pas exagérer quand même. Je vais vous les montrer, mais pas porter. Ah ouais, alors ne rigolez pas. Vous savez que Tisha, elle adore sortir en pyjama. Si vous me suivez sur Snap, sur TikTok, j'arrête pas de vous en parler. J'adore les pyjamas et les nuisettes, sortir en nuisette et en pyjama. J'ai flashé sur cette nuisette que je vais porter en robe. Donc, je vous alors. J'en ai plein de robes nuisettes. J'en ai plein. Je les prends dans les rayons pyjama. Je les prends pas dans les rayons robes. Ça, je l'ai trouvé dans le rayon pyjama. Donc, je vais l'essayer et je trouve ça tellement beau sortir avec ça. Franchement, je trouve ça tellement beau. Il y en a qui vont peut-être me dire, mais attends, Tisha, t'as pété un plomb quoi, tu sors en pyjama? Ouais, je sors en pyjama. Donc, je vous montre ça de suite. Oh là là là, je suis trop contente. Elle est trop belle. Ah mais je suis trop contente, est-ce que ça fait vraiment pyjama? Mais je vous promets que je sors comme ça. Oh, elle est canon, j'aime trop. Oh là là là. Bon par contre le décolleté il est un peu trop profond, je mettrai un petit bustier, un truc comme ça. Mais j'aime trop, je vous promets que je sors comme ça. Attendez, on va essayer les chaussures. Bon vous avez pu voir ma tête. Ah oh, mais j'aime trop. Je me regarde un peu. Ah, je vous promets. Mais on est. Mais franchement, on est tellement. On est tellement à l'aise dans les nuisettes, je vous promets. C'est un bonheur de sortir comme ça. C'est un bonheur. Si vous me suivez sur Instagram, sur Snap et tout ça, venez voir mes vidéos TikTok. J'ai presque que des nuisettes en robe. Toutes les nuisettes que vous voyez avec la dentelle noire, là, avec la dentelle en haut, je vous promets, c'est des pyjamas. Il y en a un que j'ai acheté chez Gémeaux. J'ai acheté, je crois, 18 euros. Il y en a un que j'ai acheté dans une boutique à Montauban. Il y en a un que j'ai acheté, c'est une parce que c'est des nuisettes, que j'ai acheté à Toulouse. Et celle-ci, ben, voilà. Ah, mais elle est trop belle, j'adore. J'adore, je suis trop contente. Je suis trop contente de ma commande. Franchement, je suis hyper contente. Je suis pas du tout déçue. Et ça, ah ouais. Ça, franchement, c'est une combinaison de la mort qui tue aussi. Ah, j'espère que... Mais franchement, je suis trop contente, il y a tout qui me va. D'habitude, je galère et là, il y a tout qui me va. Alors ça, c'est pareil, c'est une combinaison. Et pareil, je ne veux pas voir la riz. Je le sais, je ne veux pas voir la riz derrière. Elle est canon. Bon, ça, par contre, ouais, je l'ai... C'est... Pardon. Ça sent le parfum. Où la poche? Est-ce que c'est un truc qui a été renvoyé? Ça sent le parfum. Ça sent le parfum. Il y a quelqu'un qui l'a mise. Attendez, je regarde s'il n'y a pas des traces de pneus. Non, parce qu'une fois chez H&M, j'ai acheté un maillot de bain. Sans l'essayer, sans rien, je l'ai pris, je suis rentrée à la maison. Et à l'intérieur, vous savez, dans les maillots de bain, il y a des protections en plastique, en papier. Là, c'était en papier, en l'occurrence. Il y avait une trace de sang. La fille qui avait essayé le maillot de bain avait ses règles, s'il vous plaît. Et elle a laissé une trace de sang sur le papier du maillot de bain. J'étais écœurée. Je l'ai fait bouillir. Ah, je l'ai fait bouillir le maillot de bain. Donc là, je regarde, c'est pas les traces de pneus parce que ça, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui l'a renvoyé, ça. Ça sent le parfum, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer quand même. De toute façon, je l'ai maintenant. Je ne vais plus la jeter. Hein. Puis elle a l'air tellement belle. Enfin, sur les filles, elle a l'air tellement belle. Après, sur moi, c'est pas dit, hein. Par contre, elle est un peu grande, je suis dégoûtée. Oh, elle est canon! Elle est trop belle. Par contre, elle est un petit peu grande. Avec une petite... Ah, mais elle est canon! Par contre, elle est très très longue, je ne sais pas si vous voyez. Je traîne par terre avec. Mais elle est trop trop belle. Oh, par contre, une petite ceinture, ça va faire encore plus joli. Elle est trop belle. Ouais, est-ce qu'il faudrait un soutif avec ou pas? Franchement, ça choque pas. Je trouve que ça choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais m'enlever les chaussures. Mais je trouve que ça choque pas. Elle est trop belle.
Par contre, elle est trop longue, il faut que je la reprenne en bas. Elle me sert pas. Franchement, elle est canon. Et bien sûr, j'ai pas l'arrêt. Ah, j'ai pas l'arrêt, évidemment. Donc, je suis contente, franchement, je suis hyper contente de ma commande. Est-ce que vous voyez que j'ai maigri ou pas? Est-ce que vous voyez que j'ai perdu 8 kilos ou pas? Là, j'aimerais en perdre encore 5. Attendez. 6. Ouais, 6-7. J'aimerais en perdre encore 6-7. Parce qu'après, j'aimerais garder quand même un petit peu mes formes, hein, sachant que là, j'ai perdu quand même mes formes là. Et là, bah, du coup, ça s'est creusé. Je sais pas, mais là, ça s'est creusé. Je déteste. Enfin bon, par contre, j'ai gardé mes fesses. Alors, il n'y a pas de souci. J'ai gardé mes fesses pour l'instant. Là, il n'y a pas de souci. Elles sont toujours là. Par contre, je suis hyper contente. Alors, il me reste à vous montrer deux maillots de bain que je n'essaierai pas, que je vais juste vous montrer comme ça. Un que j'ai pris pour moi. Voilà. Donc, un que j'ai pris pour moi. Quoique le haut, je peux vous... Oh, mais oui, c'est vrai que c'est que le haut. Quoique je peux vous l'essayer, le haut. En fait, c'est un haut comme ceci. Et voilà, je voulais vraiment un maillot de bain comme ceci. Je vais vous l'essayer. Après tout, c'est qu'un maillot. C'est que le haut. Je vais garder le pantalon en bas. Et je vais vous l'essayer. Je crois qu'il est un petit peu trop petit. Je crois. Ouais, je crois qu'il est un petit peu trop petit. Je sais pas. Il est... ouais, je sais pas. Il est bizarre. Hein. Ouais. Je sais pas. Je crois qu'il est trop petit en fait. Ah, je suis dégoûtée, il est trop petit. Ouais, j'ai le 5 qui sort en bas. Mais il est super beau quand même. Ah, ça me boudine. Mais il est quand même beau. Et même le tissu et tout, il y a les coques et tout. Mais, je sais pas, du coup, ça m'a platie laissé. On dirait que j'ai plus de 5. Après, il est pas mal, hein. Mais, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est trop petit. C'est un taille XL, je crois que j'ai pris. C'est un taille XL que j'ai pris ou c'est un taille L? Je sais pas comme taille. Est-ce que c'est marqué? J'ai pris un taille L, il n'y avait pas XL. C'est dommage. Ouais, je sais pas s'il y a XL. Mais si vous avez une forte poitrine, moi en l'occurrence je fais un 95C. Ben prenez un XL. Je vous le dis. Et le dernier article que j'ai pris, alors elle n'est pas au courant, c'est pour Tissène. Parce que quand elle a vu sur le site, elle m'a dit « Ah, il est trop beau, je le veux, nanani, nanana !» Et en fait, j'ai voulu lui faire une surprise, je lui ai pris le maillot. Donc, alors, la culotte, elle est comme ceci. Elle est magnifique, c'est super beau. Waouh! Avec le petit nœud. Mais c'est super beau, regardez. Et le haut, il est comme ceci. Elle a trop aimé. Elle va être trop contente. Voilà, avec le nœud. Ah, ça se porte comme ça. Je suis en train de réfléchir. Super bon. C'est taille S. Ouais, j'ai pris du S. Bon, moi, je ne peux pas l'essayer. C'est impossible. Elle va être trop contente. Il est super joli. Donc, voilà. Je lui ai pris ceci. Donc, ben, c'est fini. Ben, c'est fini. Mais honnêtement, je suis hyper, hyper, hyper contente de ma commande. Elle est hyper canon, ma commande. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je vous mets tous les liens de ce que j'ai essayé en barre d'infos. Mon code promo est en barre d'infos. Comme je vous dis, vous avez plein de choses qui sont soldées. Et vous pouvez rajouter les 15% en plus des soldes sur mon code, enfin de mon code promo sur les soldes. Et vous allez avoir un prix de tonnerre. Franchement, même les chaussures, elles n'étaient pas chères du tout. Je crois qu'elles étaient à peut-être 20 euros. 20 euros maximum. Maximum 22. Et avec la promotion, mais ça vous fera si elles sont... Tout ce qu'il n'y a pas en promo, de toute façon, vous avez 15%. Et si vous avez les articles soldés, vous avez en plus des promos 15% aussi. Donc franchement ça vaut le coup, allez jeter un œil. Si vous voulez mes articles, moi j'ai pris principalement du L, parce que je déteste quand je suis boudinée, serrée, je prends toujours du L. Je me suis aperçue que le L il m'allait grand, je suis trop contente. Et du coup même celle-ci, c'est un L je crois, est-ce qu'il y a une étiquette? Ouais, c'est un L aussi, et bon elle me va un petit peu grande, bon je suis contente, ça veut dire que je suis passée au M peut-être. Et ben voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous avez préféré. Moi, j'ai vraiment préféré la robe nuisette. Moi, j'ai tout aimé en fait. J'ai tout aimé, même la combi. La combi léopard, elle est magnifique. La robe nuisette, elle est magnifique. L'ensemble, il est tout était beau, je trouve. Il m'aurait fait qu'à m'acheter un petit cycliste, parce que j'ai pas du tout de cycliste. Donc du coup, je vais m'acheter un petit cycliste là. Mais pas ici, hein, parce qu'il faut qu'il dépasse quand même un peu. Je vais l'acheter ici. Je suis trop contente. Ah mais franchement, je suis contente. Parce que je découvre avec vous la commande et puis finalement ça me va super bien quoi. Oh putain de merde, ça fait du bien de dire ça. D'habitude quand je prends une commande, ça me va pas en fait, c'est trop petit. Et souvent je vous fais des
Souvent, je vous fais des hauls comme ça et en fait, je les essaye pas et vous me dites t'as pas essayé tes habits, Tisha, donc on voit pas. Et ben oui, parce qu'en fait, ça m'allait pas, donc c'était trop petit. Mais là, trop contente. Voilà. Bon, j'arrête de dire ça. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, me mettre des petits likes si vous avez aimé. Et dire ce que vous n'avez pas aimé aussi. Vous pouvez dire ce que vous n'avez pas aimé, parce que peut-être que moi j'aime et que vous aimez pas. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.